super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Coucou les loulous. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui. Ah, les copains, on espère que vous allez aussi bien que nous. Nous, c'est la super forme. Alors, Corentin, Océane, mais qu'est-ce que vous avez devant vous? Des canettes. Et qu'est-ce que vous allez faire avec des canettes? Vous allez faire des recettes? Oui. On va faire du slime comestible. Comestible. Mais qu'est-ce que c'est ça, du slime comestible? C'est du slime qu'on peut manger. C'est du slime qui mange. On peut manger du slime, vous croyez? Oui. C'est bizarre ça. Alors, mais vous connaissez la recette? Oui. Vous allez nous la donner? Alors les petits copains, attention, parce que Corentin et Océane vont faire pour la première fois un test de recette comestible. Alors qu'est-ce que vous avez comme ingrédients? Alors on a des canettes de soda. Alors qu'est-ce qu'il y a comme soda? Donc, je vois. Alors il y a Orangina, Coca, 7-Up, jus de fruits. Oasis tropical, ouais. Et ça c'est quoi? Je me rappelle plus. C'est de l'ice tea. Et ça, oasis. Oasis, pomme, cassis, framboise. Voilà. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors ça, les amis, c'est du psyllium blond. Voilà. On achète ça en magasin bio ou alors, bah, tout simplement, vous pouvez acheter ça à la pharmacie. Voilà. Et puis, et c'est tout. Et des pots. Voilà, il faut des pots et tout ça, parce qu'on va faire des slimes de différents goûts. Il nous faut des pots. Des pots. Il nous faut ça pour remplir jusqu'au deux là. Ouais, un verre gradué. Et là, on a une petite coupe. Ok. Une petite coupe de cuillère. Bon, allez, on passe à la recette ou pas? Oui. Oui. Allez, bon, on passe à la recette, les amis. Alors, pour commencer, qu'est-ce que tu vas faire, Loulou? Il va verser la style là. De l'ice tea dans le bocal. Alors il faudra 10 centilitres de boisson, ice tea, coca, enfin ce que vous voulez, même du sirop. Donc il faut verser 10 centilitres. Bon? Je pense que c'est bon là, fais voir. Parfait! À moi de le verser là. Alors ça, on le verse là-dedans. Là? Oui. Parce que je vais faire un ice tea, mais après je vais faire ça. Ouais, tu vas tout verser dans tous les bols, donc 10 centilitres de chaque. Allez, tiens. Ouf. Oh, il faut montrer. Alors voilà ce que ça donne. Bon, c'est un verre d'ice tea. Tout simplement dans un bol. Alors maintenant, on continue avec l'Oasis. Et je pense, bah, les amis, qu'on va accélérer un petit peu tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouais. Ça y est, c'est terminé? Oui, Ouais, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? Ça. Le psyllium. Donc voilà, donc le psyllium. Donc on va en mettre 10 grammes. C'est pas moi. 10 grammes, oui, bah vous allez faire chacun votre tour, bah 10 grammes, hop, vous allez en faire un chacun, donc 10 grammes pour toi, je vais préparer aussi 10 grammes pour Océane, qu'on va mettre à l'intérieur de la boisson. On attend que ça agisse un petit peu. Et après, on va remuer ça. Alors, on va attendre que ça agisse un peu et après, on va remuer, tout à fait. Moi, ça y est, j'en ai rempli dans un. Ça y est, Loulou, toi, c'est versé. Alors, faut voir ce que ça donne. Bah, vas-y, Océane, verse. Ouais. Alors, voilà ce que ça donne. Ça a l'air super bon. Ouais. Alors, maintenant, bah, il va falloir remuer. Et une fois que c'est remué, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre une minute au micro-ondes. Eh oui, au micro-ondes. Vous êtes pas? Bah. Oui, tu attends un peu, ouais. Alors, faut que ce soit bien mélangé. Faut prendre bien sur les bords, Corentin. Et c'est bon, là? Ah, regarde, je vais t'enlever un peu tout ça. C'est ça bon, maman? C'est bon? Oui, vas-y, ma chérie. Tu es pressée, hein? Non, mais moi, je vais pas pressée. J'en ai que ça soit bien mélangé, en fait. Mais c'est bon, là. Apparemment. C'est bon? Voilà. Hop, là. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, à une espèce de pâte.
Alors bah maintenant, bah, direction le micro-ondes pendant une minute. Mais moi aussi c'est bon. Ouais. Allez, au micro-ondes. Alors voilà les loulous, attention, c'est chaud. Hop. Voilà quoi ça ressemble. C'est pas très appétissant. Hein. Alors Quentin, Chani, va falloir remuer avec votre cuillère. Allez-y, remuez bien. Et puis après on verra ce que ça donne. Je crois que tu vas devoir tenir le bol quand même. Hein. Faut bien remuer en dessous dans le bol. Ah, ça commence déjà, regarde, c'est marrant. Vas-y, remue bien. Ah, vas-y, va remuer. Alors, c'est fini, fais voir. Moi, c'est fini. C'est fini pour l'instant. Je vais racler les bords déjà. Donc, regardez, les amis. Et ça, à part. Ça ressemble à un gros caca croûte. Ça se mange. Regardez, ça ressemble à un gros caca croûte. Alors, ça se mange, les amis. Pourquoi? Alors, bah écoutez. Regardez. Oh là là. Regardez, les amis. C'est encore un peu chaud. Donc, pendant que ça refroidit, bah, moi, ce que je vous propose, c'est de faire les autres en accéléré. Vous voulez bien? Oui. Ouais. Moi, okay. Je fais celui-là. Ça y est, c'est terminé? Oui. Aïe, ouf. Oh, à quoi il ressemble? Regardez-moi. Regardez-moi, il est noir comme une araignée, là. Il est noir comme une araignée. Alors, toi, c'est coca, ça? Oui, mais en coca. Oh, ah oui, coca, effectivement, il est reconnaissable entre tous. Quel bon slime. Hop. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Bon, on va laisser refroidir tout ça, et puis on va le goûter, hein. Ouais, mais au moins pour l'instant, je vois. Ouais, pour l'instant, mais ça, ouais. On va les goûter, hein. A tout de suite, les amis. On laisse refroidir un peu parce que sinon, on va se brûler les doigts. Allez, c'est refroidi. Ouais, alors, faites-moi voir un peu ce que ça donne. Alors, moi, j'en prends. Pour les boîtes à poux. Je vais prendre l'orangina, par exemple. Alors, voilà ce que ça donne. Ouais, c'est coca. C'est du vrai slime, les amis. Et en plus de ça, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, ce slime? Eh bien, on peut le manger, ouais, on peut jouer avec, mais on peut aussi le manger. Donc pour les plus petits, bah, au moins il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur. Alors bah, Ossane est en train de goûter. Alors est-ce que c'est bon? Celui-là. C'est tropical? Est-ce que c'est bon? Moi les amis, j'ai orangina par exemple, donc je vais goûter un bout. Maman, je peux goûter, j'ai l'orangina. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bourque. Non, je vais pas prendre une pâte à pouf comme ça, c'est bon, une pâte à pouf. Alors franchement, je sens pas le goût de l'orangina du tout. Moi, j'ai pas un petit bout comme ça. En fait, les couleurs se ressemblent toutes à peu près. Hein. Celui-là, c'est celui tropical par contre. Celui-là, c'est... Le tropical sent très bon. Non, je sens pas le goût. Le pomme cassis, il sent très très bon. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais goûter aussi celui-là, vu que celui-là, il sent très très bon. Goûte. Oh mon Dieu. Mon Dieu, j'aime pas. Oui. Alors les amis, alors c'est une recette de cuisine, hein, parce que ça se mange. Mais on a fait ça surtout. J'adore celui-là. Parce qu'on adore le slime. Maman, et puis, j'adore celui-là. Tu l'adores celui-là? Ouf, vous avez des goûts assez bizarres. Et c'est vrai que les amis, on adore le slime. Et souvent le slime, bah, y a de l'acide borique dedans, qui n'est pas très conseillé pour la santé. Et là, même les plus petits peuvent jouer avec parce que c'est 100% bah, naturel vu qu'on a acheté. Moi, je n'aime pas. Moi, je les aime pas tous. Psyllium au magasin bio. Mais par contre, n'abusez pas du psyllium parce que c'est pour réguler le transit intestinal. Donc, il ne faut pas trop en manger non plus. Mais c'est vrai que si les enfants en mangent un petit bout, ben là, c'est vraiment pas grave. Alors, est-ce que ça se colle sur la table? Oh, le coca, il est pas mal là. Ça, c'est coca. Voilà. Les amis. Celui-là, c'est... Ça, c'est le tropical. Ça, c'est tropical. Alors, c'est trop marrant. Parce qu'il y a sur deux. C'est trop marrant parce qu'on joue avec. Hop. Et on les mélange? Peut-être pas, on va peut-être pas les mélanger. Un petit peu. Un petit peu? Oui. Bon, bah mélangez-en si vous voulez. Voilà, donc on vous a donné la recette bah, du slime comestible. Ah bon, c'est moins slimy que le vrai slime, mais bon, ça s'étire, ça se recolle, ça colle pas aux doigts. C'est vraiment nickel. Est-ce que cette recette vous a plu, les loulous? Je vais mélanger un petit bout là-dedans. Est-ce que cette recette vous a plu? Ouais. Attends, je vais boire un peu. Ouais, parce que maintenant on boit la boisson, hein, bien sûr. Hein.
C'est meilleur quand même que le slime, hein, parce que franchement, autant vous dire que le psyllium, ça sent très, très, très fort, les amis. C'est pas terrible. Hein. Oui, et puis ça pue beaucoup. Et puis comme il y a moitié-moitié, ben ouh. Mais bon, c'est quand même une recette. Hein. Voilà, on a voulu essayer quelque chose de nouveau. Je fais un petit truc. Tu fais un petit truc? Tu fais quoi? Attendez. Moi, je vais jeter ça sur la caméra. Oh, non, 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 attends, on pourra voir celui-là. C'est rigolo, par contre, oh, on voit bien la différence de... crotte, de couleur de crotte. Oui, soit en tout des grosses crottes. C'est immonde. Il manque celui-là. Attendez. Attends, je vais vous faire quelque chose avec celui-là. Ouais, c'est trop immonde. Ah, oh, il a fait une crotte de chien. C'est dégueu. Oh, regarde. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous fais toi? Moi je... Oh, bah, oh, là, là. Oh là là, c'est trop... C'est marrant, hein. En fait, c'est super marrant. Regardez, j'ai fait une crotte de chat. Oh, vous êtes horrible, 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 horrible. Attendez. Je vais en faire. Youpé, c'est génial. Attendez, j'ai mis l'autre. Alors les petits copains, bah, dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit... un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et aussi, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a essayé de planter un décor artificiel derrière les loulous. Alors du moins, j'ai essayé de maîtriser des techniques qu'on utilise au cinéma. Et ben, dites-nous si ça vous plaît. Bon, c'est sûr, c'est pas au top, top, top. On manque encore un petit peu d'éclairage, mais ça s'améliorera. Donc dites-nous si le procédé vous plaît. Et puis, ben, si ce n'est pas déjà fait... Abonnez-vous. Et puis en attendant la prochaine vidéo, qui sera peut-être un petit peu plus longue que celle-là, eh bien, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, 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 ciao.